Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo My Hero Academia UHC. Après plus d'un mois sans vidéo sur ce mode de jeu, nous nous retrouvons aujourd'hui sur une toute nouvelle version avec des améliorations, des nouveaux rôles et des nouvelles mécaniques. Mais avant toute chose, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et si on pouvait atteindre les 2500 likes, ça serait vraiment insane. N'hésitez également pas à venir me suivre sur Twitch si vous voulez retrouver plus de games inédites en stream, en MHA, Naruto, Wano, etc. Bref, My Hero Academia UHC V3. Pour cette toute nouvelle version, beaucoup de nouveautés et d'améliorations ont été ajoutés, avec pour commencer une map customisée au centre, représentant le simulateur de catastrophes et d'accidents, notamment présent dans la saison 1 de My Hero Academia. Et exceptionnellement pour cette partie, nous ne jouerons pas avec cette map customisée, mais également un nouveau pack de textures conçu spécialement pour le mode de jeu, permettant notamment d'ajouter des items comme le gant de Kachan ou encore l'épée de Stain. Ce qui nous amène tout droit vers l'une des grosses nouveautés de cette version, les haltères. Les haltères sont des pouvoirs spécifiques à chaque personnage, et ils sont devenus encore plus poussés et fidèles à l'animé. Prenons d'ailleurs l'exemple de Stain. Grâce à son halter, celui-ci lui permet d'immobiliser les personnes après avoir ingéré un échantillon de leur sang, et ce, qu'importe d'où il vient. Une fois ceci fait, il en profite généralement pour leur infliger le coup de grâce. Et bien dans cette toute nouvelle version de MHA UHC, chaque personnage se verra attribuer, en fonction de l'animé, un groupe sanguin. Et lorsque Stain tapera un joueur avec son épée spéciale, le joueur recevra lenteur plus ou moins élevée et longtemps en fonction de son groupe sanguin, allant du groupe O qui se verra infliger 6 secondes de lenteur 2, au groupe B qui se verra lui infliger 20 secondes de lenteur 2. Et pour l'aider dans sa tâche, Stain découvrira le groupe sanguin des joueurs qu'il aura croisé à 15 blocs près lors du début du prochain épisode. Et pour rester fidèle à l'animé, il obtiendra la liste de tous les héros. Vous l'aurez compris, tous les rôles de cette version de My Hero Academia ont été poussés à leur maximum. Je ne peux évidemment pas tous vous les présenter, mais si vous voulez prendre le temps de les lire afin de bien comprendre l'ensemble de la partie, je vous invite à cliquer sur le document du lien qui se trouve en description. Tous les liens entre les rôles ont été revus, notamment grâce à l'apparition de nouveaux rôles, comme par exemple Dieu Sylvestre et Mineta chez les gentils, ainsi que Jiran et Mister Compress chez l'Alliance des vilains. Celui-ci est d'ailleurs très puissant car grâce à son alter Compress, il lui permet de compresser n'importe quoi dans une bille. Et ces billes sont bien réelles dans le mode de jeu grâce au pack de textures. Lorsqu'il fait prisonnier un joueur dans l'une de ces billes, celui-ci a deux solutions. Soit attendre 5 minutes avant de pouvoir en sortir, soit terminer le jump et alors sortir le plus rapidement possible. Et enfin, l'une des dernières nouveautés est l'ajout d'un potentiel nouveau camp supplémentaire, les préceptes de la mort. Dirigés par Overhaul, nous retrouvons deux anciens rôles que vous connaissez bien, Rikia et Shin Nemoto. Mais également un tout nouveau rôle, Tengei. Encore une fois, à l'image de la et de son alter barrière, deux fois par épisode, il peut rendre invincible un joueur et lui-même durant 10 secondes. Ce joueur ne pourra plus prendre de coups, mais ne pourra également plus en donner. Un alter donc très puissant qui peut permettre d'échapper à la mort. Mais aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué grâce à la miniature, nous ferons partie du camp des héros. Nous serons un héros professionnel et aussi professeur principal de la seconde A, à savoir Eizawa. Celui-ci possède la terre effacement qui permet d'annuler les alters des cibles se trouvant dans son champ de vision. Grâce au pack de textures du mode de jeu, nous allons pouvoir utiliser nos fameuses lunettes. Et une fois par épisode, grâce à celle-ci, nous allons pouvoir faire perdre tous les haltères actifs des joueurs dans un rayon de 30 blocs autour de nous. Mais pour rester fidèle à l'animé, cet halter dispose de plusieurs limitations. C'est pourquoi à la première utilisation, mon halter durera 2 minutes, à la deuxième 1 minute et toutes les suivantes 30 secondes. Par ailleurs, en tant que professeur, j'ai obtenu dès l'annonce des rôles une liste de 5 pseudos dans laquelle se trouvent au minimum 2 élèves de la classe A. Aussi, en tant que professeur principal, Tenya, délégué de la classe, me connaîtra directement dès l'annonce des rôles. Et évidemment, en tant que héros, je devrais gagner aux côtés de vos personnages préférés, comme All Might, Izuku, Mirio ou encore Fumikage. Et sachez que je ne vous ai pas tout dit sur cette nouvelle version de My Hero Academia UHC. Il nous reste encore de nombreuses stratégies et mécaniques à découvrir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Yo! Est-ce que tu peux démuter Bichard? Non. Alan, viens, je veux te parler, frère. Ouais, vas-y, j'arrive. Ouais, mais facile de dire ça. Moi aussi. Oui, mais au moins, non, mais oui, mais tu sais pourquoi je te dis du coup. Parce qu'au moins, on a. Au moins, bah, je fais mon. Pas trop du coup. Bah, fais un effort, gros. Bah, lis ton rôle ou. Ouais, mais. Au moins, je te dis quoi. Ok, bah, je lirai tout à l'heure. Bon, Alan, t'as compris ou pas? Du coup. T'es mieux, hein? Salut. Ouais, bah, du coup, ouais, du coup, je pense peut-être. Ouais. Ah. Ah, bah, du coup, viens. Moi j'en ai pas. Normalement t'en as une. C'est obligé. Ah je te jure que non. Hein? Non non.
Comment ça non non. Bah, et tu doutes encore ou quoi frère parce que je. Non, c'est juste que je sais pas. J'ai vraiment pas d'infos. Mais what? Attends. Ça dit un truc que je sais pas sur ton. Mais c'est. Attends. Moi j'ai une info moi. Il est méchant pour pas avoir. C'est un mec. Il est méchant non? Qui? Petit méchant. Vas-y. C'est Raccoon. Raccoon est méchant? Oui. De sûr? Oui. Ah ouais? Comment t'as su ça? Parce que. Ouais, je vois pas comment tu peux savoir pour Aura. Tu l'as entendu ou c'est. Je sais pas, peut-être. Ok. Ouais. Source TKT, hein. Ouais, c'est ça. Source TKT, effectivement, mais. Sûr. Ok. J'attends de voir les gars, je vous dis, j'attends de voir qui c'est qui vient me voir en fait, parce que normalement il y a Ténia qui est censé me dire eh oh coucou, on se connaît, nanana. Ah, okay. Pour ça que j'essaye de passer à peu près de commande. Quoi. Tu vois. Et pour le moment, bon il y a forcément des gens qu'on a pas vu mais. Reichu. 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 Oui. Viens. Il y a moyen qu'on soit ensemble. Il y a moyen qu'on soit ensemble. Et pour une fois. On va aller en bas et je vais te mettre sur un panneau. Du moins, quasi. Et je pense que Alan est méchant, je te dis aussi. Ok. Salut à vous. Yo, c'est qui? C'est bah, mec, sérieux là, tu me demandes qui c'est là? Ouais. Ok, bon, je vous laisse faire vos affaires, hein, des bisous. Ok, des bisous. T'es allé checker déjà ou pas? Non, encore. La gauche, on trouve. Yep. Ok, pas là. Ah oui, et aussi apparemment. Ils sont en train de sauter, hein? Ouais, mais c'est exactement ce que je voulais dire, que d'après Max, Aura est méchant. Ah bon bah, je les vois en ce moment. Vous faites confiance là ou pas? Reichu, y'a moyen, ouais. Ok. Vous faites confiance, Antoine et toi? Oui. Ah ouais? Oui. Ouais, mais je pense que c'est normal qu'ils se fassent confiance. Mais ça me fait plaisir parce que du coup ça veut dire deux trucs moi. Viens Antoine s'il te plaît. Ouais. Je. Fallait que je te parle plus gaffe. Ah c'est vrai? Ouais. Ah tu me plais. Tu me plais, m'en dis pas plus, c'est bon. Et on pense avoir deux autres personnes mais c'est pas encore sûr. Garde. D'accord. Bah moi je te dis Reichu, d'après ce qu'il me dit, ça a l'air good. Et apparemment, il y a des chances pour que Persiscas soit gentil aussi. Moi, je te dis, j'ai troll Blue Diamond, j'ai essayé de dire ouais, je suis avec toi et tout. Vu ses réactions, il y a moyen qu'il soit méchant, je te le dis. Okay. Et en plus, de suite après, Crack 2A voulait lui parler. Ils sont partis tout seuls. Et si Antoine est vraiment safe et que Reichu aussi. Ça veut dire qu'il y a peu de chances que Crack et Alan soient méchants. Voilà, je vous dis, après vous réfléchissez comme vous voulez. Du coup, bon, Aura n'est pas mort, hein. Ils ont pas réussi à le tuer. Bah, il y a Max qui voulait absolument sauter Aura, quoi. Okay. Après, il y a moyen, je vous le dis, il y a moyen qu'il soit Stain en fait, Max, pour avoir cette info comme ça, 100%. En fait, je viens de penser. Il y a moyen qu'il soit Stain et qu'ils veulent tuer aléatoirement, tu sais, un méchant, quoi. Il y a des chances parce qu'il était sous les arbres. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il soit Stain, ouais, Max. Ouais. Non, on veut pas le sauter, t'inquiète pas. Okay. Costa, par contre, on sait qu'il est méchant. Désolé, frérot, mais. Hein? On sait que t'es méchant, frérot. Pourquoi? Bah, je sais, désolé. Ah. Sorry, bro. Non, je te l'ai pas fait, arrête, arrête. T'es sûr qu'il y a ce que je suis sûr et certain que je l'ai pas fait. Il est 100% méchant. Ah oui, 100%. Wesh. Oh, yo Lulu. Oh Costa frérot.
Oh, t'es tombé dans le piège, mais c'est comme un bleu, hein. Il a sauté dedans. Oh, mais t'as sauté les deux pieds joints. Oh, Costa. Écoutez, ça, je peux vous prouver que je suis pas méchant. Ouais, non, mais là, frérot... Oh, non. Je sais pas, je comprends pas. Oh. Bah... C'est cassé les deux jambes en plus. En fait... Mais je suis vraiment pas méchant, si je peux vous prouver. Attends, mais... Je sais pas, mais t'as été bizarre, Costa. Ok, je bouge pas. Non, mais c'est bon, mais... Disons que t'as été bizarre dans ta réaction, avoue-le quand même. Bah... Je sais pas, j'ai couru, il y avait 3 mecs derrière moi. Ouais. Bah, quand on a dit que c'était méchant, Vas-y, on go next, les gars, mais bon, y'a moyen qu'il soit, quoi. Ouais. Oh, je reconnais, il est méchant, il est Black Mist. Ah ouais? Ouais. Ok. Qui est Black Mist? Bon, bah, Oracoon. Pega, t'as confiance en Rachel? Ouais. Ok, c'est bien ce qu'on pensait alors. Ok, toi, Pega. C'est qui les méchants? Oracoon. Les gars, vous êtes combien là? Oh, Persiskas, viens frérot, s'il te plaît. Viens, ouais. Persiskas, viens. Pas de problème. Donne-nous ton potentiel bro là. Oh, voilà. Mon potentiel bro? Ouais. Ouais. Ah, ouais, oups, ok, parfait. Excuse-moi. Disons que je pense que. Comment dire? J'ai pas un potentiel bro. Et là on a un problème. Car vous l'avez sûrement compris, une des nouvelles mécaniques de cette version de My Hero Academia est que chaque élève de la seconde A, à l'annonce des rôles, obtient le pseudo d'un autre joueur qui a 75% de chance d'être un élève. Donc en gros, chaque élève est censé avoir un pseudo, une info à donner. Sauf que là, ce n'est pas le cas de Persiskas. Cela voudrait dire que malheureusement, Raichu est tombé dans les 25% de chance que Persiskas, en l'occurrence, soit vilain, héros professionnel ou professeur. Il n'est donc pas obligatoirement vilain, mais a de grandes chances de l'être. Il va falloir donc rester sur nos gardes et ne pas lui divulguer trop d'informations. Continuons. Reste pas trop avec nous quand même, on sait jamais. Disons que... Si vous voulez, ok, si vous voulez, je bouge, mais je tiens juste à vous dire que, dans tous les cas, si je suis méchant, je n'arriverai pas à tuer qui que ce soit. Et, donc... Bah, est-ce que j'aimerais pas mourir, Pega, tu peux venir si tu veux, j'aimerais ne pas mourir. Bah, on y va avec les deux, Raichu. Okay. Ah, je sais pas. C'est bon, j'ai compris. Ah, ok, donc c'est bon. Je sais ce que c'est bon. C'est bon, j'ai compris, ok, nice. Mais mec, vas-y, je mets des dégâts, non, là, arrête. J'ai pas compris, hein. Y'a Mirio? Non, mais t'as pas compris, Raichu. J'ai compris. Ouais. Non, parlez-moi, les gars, j'ai pas compris. Bah, t'approches pas de Raichu, quoi. Vas-y, approche-toi de Raichu, deux secondes. C'est le dévot, quoi. Ah, oui, monsieur, oui, d'accord. Non, mais. Ah, oui. Oh mon Raichu, on est ensemble, Raichu. J'ai une bonne nouvelle. Technique est survenu. Ça, c'est nice, ça. Let's go! Raichu, j'ai une bonne nouvelle! Oui? Viens, Pega, j'ai un cadeau. Ouais. C'est une bonne chose. Tiens. Oh! Nice, parfait. Tu sais me parler, toi aussi. Bah, j'ai compris des choses maintenant. Ouais. C'est en face. Shaku Bisharp, vous faites confiance? Ouais, ils sont safe, t'inquiète. Ok, Kips Lolo est 100% safe aussi, les gars. Kips Lolo aussi? Ouais. Ok, dans ce temps-là, ouais. Et tout le monde me dit ça. Oui, mais c'est lui qui a lancé le call. C'est lui? Mais oui, c'est lui. Ok. Oui, oui. Et même la façon d'être, la façon de parler et tout, je le sentais un peu. Bon, vas-y, lui, go, les gars, sur lui en bas. Ouais, go. Ouais, Bobo, désolé, on a les infos. Bobo, ta game, elle est. Oui, mais c'est clair. Pose pas. Avec un grand air. J'ai le pire rôle de la game, de toute façon. Ouais, désolé pour toi. Ouais, c'est pas merde. Les gars, on en pense quoi de son corps, ça, là? Les gars, derrière, là, vous en pensez quoi, là? Parce que... Bobo, cours. Parce qu'en vrai, Bobo, tu t'es un peu... Hein, on va pas se mentir, hein. Oh, je peux plus courir, les gars. Ouais, je prends le relais, Oh là, mais les gars. Vas-y, boost. Attends, mais où est-ce quoi? Ah, oh, mais. Oh merde. Oui, il a un punch. Il a punch. Moi. Attends, il est sérieux? Ouais, il a punch, hein. Il y a un. Merde. Comme requin. Ouais, y a pas de requin punch. Ah, bah, nice. Bon. Attends, on verra. Non, mais si, il est méchant, 100%. Si, on voit All Might. Oh non, mais. Mais. Bien mais... vu le col. Oh, il était déjà 5 de base. Oh, mais c'est parfait ça. Ah, oh, c'est... Je reconnais, c'est moi. Tiens, darling. Par contre, Pega, il avait une T4 fer. Hein. Je dis ça comme il ça. Il avait une T4? Super. Ouais. Bon, bah, il méritait de mourir. Hein. Attends, bah, c'est mais que j'ai fait du P2 fer. J'ai et tout, j'ai rien compris. Mais hein. Méchance, mais il a le droit il de faire un P2. Il veut juste me mettre à moi, je crois, les gars. Ah, ok. Il a une charme 3. Mais non, il avait une épée. Ouais. Et alors? Je pense vraiment que t'es ça. Ouais. Bah. T'as les infos en plus?
Ah, peut-être. Parce que là-dedans, il y en a, mais... Pas tous. Ouais, je comprends. Non, non, ouais, mais attends, mais... Parce que ça fait un moment que normalement tu es censé venir, du coup. Ouais, mais je voulais vérifier cet épisode-là. Tu vois. Ok. Vas-y, bah... T'as des trucs en plus, toi, ou pas? Ouais, bah du coup, hein. Bah vas-y, bah, dis-moi. Dis-moi. Parce que moi, dans le groupe, il y en a que deux. Hein. C'est qui? Bon, si je pense que ça. De quoi, dans le groupe, là? Ouais. Bah attends. Je sais plus s'il est dedans, donc je sais que lui, il est dedans. Et qui, après, attends. Et l'autre, c'est... Non, ça m'étonnerait que le deuxième et le premier. Hein, hein? De quoi? T'es sûr à 100%? Bah... 85, quoi. Parce que vraiment, il était en mode go attendre le jour pour taper des gens. Ok, viens. Aucune idée, mais il doit avoir résistance de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai les 6, là. Ah, ok. Bon, bah... Cette fois, c'est sûr, les gars. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quoi? C'est sûr, il est méchant, il est méchant. C'est bon, il est mort. Oui, il est mort. Ça, il est mort. Ouais, 100% méchant. Et du coup, j'ai deux méchants en plus. Ah ouais, attends, bien sûr. Mais what the fuck, mais dégâts. Dégâts. Diamond et Lens méchant. Ah, je sens les voix. Bon, bah, du coup, on croise les deux, ça part. Mais pauvre Lens, hein. Parce qu'en plus, j'ai cave avec lui. Wesh. Ça va ou quoi, Lulu? Ça va et toi? Bien, hein. Yo, frérot. Voilà. Ça va, Lens? Oui, je suis bien. Ouais, il était bah, il était low life, hein. Rien bien passé ici, hein. Vous avez rien vu, Lens? Rien vu, les gars. Incroyable. Allez, trace ta route. Ça part sur YouTube, ça. Tu sais, j'aurais dû demander s'ils avaient confiance en lui, hein. Avant. En vrai, ouais. Mais on aurait pu. Bah, je pense que Lulu est méchant, je vous le dis d'office, les gars. Parce que Alan m'a dit tout à l'heure qu'il avait confiance en lui, Volt. Costa met des panneaux à Elias. Ok. Et Vous avez vu c'est qui en face? C'est qui? C'est un méchant? Je sais pas, ouais. Justement, je demande. Qui en face? Ah, bah oui. T'as confiance, Kaifer, dans Max? Non, il m'a pas donné. Parce que je te le dis, mon petit Max, je sais depuis le début ton rôle, hein. Ah bon, c'est toi? Je suis pareil, connais en rôle. Enfin, tu es Stain, quoi. Je crois que j'ai compris. Hein. Ok, si tu veux. Tu es 100% Stain, non hein. Ouais. Attends, Pika. Reviens. Ouais. Quoi? C'est quoi? Bah, rien, ouais, wesh. Mais c'est pas, attends. De toute façon, je suis une gapple, de toute façon. Mais c'est quoi là? J'ai aucune luck. Hein? Mais gros? Bah quoi? Mais je vais te démarrer en fait! Il s'est passé quoi? Allez! Il s'est passé quoi? Mais qui c'est? Merde! Il a fait quoi? Mais c'est Stain! Mais pourquoi il a fait mais... ça devant toi? Mais je sais pas! Genre, en fait, j'ai aucune chance en vrai. Mais il a craqué hein! Mais bête! Il t'a craqué, ça y est! Ma game, elle est vraiment libre. Ça y est, t'as pété ta caps frère! Ouais. Ça y est, il est devenu fou. Je connais avec le Stain depuis le début. Ouais, je l'ai fou, ça m'a saoulé. Bah en fait, dès qu'il est arrivé au centre en disant qu'il avait un 100% méchant, je l'avais cramé. Ouais, bah ouais, j'ai géré. Ah ouais. Mais okay. Ouais. Je connais pas assez le mode de jeu pour. Bah y'a pas d'info où genre t'arrives au centre sans avoir vu personne d'avoir un méchant quoi. Okay. Il en a déduit parce que la liste, voilà quoi. Oh, je peux plus. Ouais, il est vite lui hein. Il est chaud, Kipslo loin, tu crois quoi. Il s'appelle le CPS, hein. 32. Oh, il a vécu une gap apparemment. J'ai pas eu. C'est moi qui l'ai eu. Ok, bon, si on fait le point, Bisharp Dirt, c'est gentil. Elias, gentil aussi. Anton aussi. Frida, il est dans le groupe des derniers safe. Jenkid, je pense qu'il est love lover. Shaku, bah. Shaku, point d'interrogation. Les fouilles, gentil. Lulu, gentil. Matt, gentil. Richou, gentil. Naughty, love lover. Aura, méchant. Persiscas, gentil. Picard, potentiellement méchant. Skyferd, il était dans le groupe donc. Sangre de Lolo. De Lovo. Apparemment gentil. Sangre, il était dans le groupe de Matt donc méchant. Gentil. Non, il est dans le groupe de Matt. Ok. Ouais, okay Squail, ouais. Il était dans le groupe de Lulu, mais bon. On sait pas, ok. Samasuke, bah, il est forcément méchant. Hein. Il reste des rôles solo. Et The Costa, bah, il était avec Elias. Kachan, peut-être.
Yeah, ça fait trop de gentils, les gars, ça fait trop de gentils. Bah, je pense que dans le groupe de Luvent, il y a des méchants, vraiment. Mais il y a peut-être des méchants dans le groupe de. Mais de. On pense safe aussi, là, le groupe de maths, il y a peut-être des méchants là-dedans aussi. Bah, ils tuent tous les méchants, donc au bout d'un moment, il y en a un qui se serait rebellé pendant un fight, non? Crématarien. Ah ouais, bah, du coup, ouais, Matt est love lover, du coup. Ouais, ils ont tué tous les méchants, donc ils sont forcément love lover. Il est forcément love lover, forcément. Ouais. Voilà. C'est tous des méchants. Hein, bah c'est bon, voilà, c'est des méchants. C'est des méchants. C'est bon, méchants. Matt est méchant, Matt est méchant. Mais donc, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi ils ont tué? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi non plus je ne comprenais pas, mais pour que vous puissiez comprendre, Sangré, Matt, Lifouille et Frida ont juste troll la game et ils ont éliminé les premières personnes qu'ils ont croisées, en l'occurrence des méchants. Évidemment par conséquent ils ont gravement handicapé les vilains, d'autant plus que Matt et Aura vont mourir suite à ce fight, ce qui signifie qu'il ne reste plus que Love Lover, Kachan, Himiko Toga et Jiren dans la partie. Tout reste encore possible, il ne faut absolument pas baisser notre garde. Voilà. Ouais, on le tue. Ouais, on le tue, on le tue, on le tue, on le tue. C'est groupe de 3, vous êtes malade. On est 3, on est 3. T'inquiète pas, on est 3. Respecte les groupes, t'en fais pas. Ah, elle. Je suis pas méchant, Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Attends, attends. Ça va, c'est le moment. Faut le taire, vite. Nice. Wesh. Désolé mec. Non mais c'est eux, Shoto Endeavor du coup. Non. Ah, Ou... Attends, toi bah, aussi Richo? Non 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 non. Moi j'étais en train de courir avec toi. Ok. Moi aussi avec nous, il y a Raichu. Raichu, mais t'es con Raichu. Raichu, t'es con, tu fais exprès. Oh, c'est Shoto Endeavor, c'est ça? Mais Raichu, il est con. Mais Raichu, tu fais quoi? Non mais Raichu, je sais ce qu'il est, hein, les gars. Oui, oui, c'est bon. Wesh. A l'aide. A l'aide. Il y a Château Endeavor derrière nous. Ils sont méchants derrière. Me tape pas. Il est méchant. Skyfer. Non, là. Attends, ils sont tous méchants. Ils sont tous méchants, je crois. J'arrive, Raichu. Attends, mon frère. Si tout le monde le connaît. Château Endeavor, c'est... Comment il s'appelle, l'autre? J'ai pas de gap. J'ai plus de gap aussi, hein. Non mais en fait c'est bien Kips Lolo et Hots, les gars, donc ouais, c'est Love Lover, Love Lover. Ah oui, Love Lover, Love Lover. Bon, on se casse, hein. Raichu, j'ai plus de gap, moi. Bah moi non plus, donc Attends. On est dans la merde. Faut retrouver Bichard. Y a Ezawa. Là, les gars, allez, derrière, ils sont méchants. Kips Lolo et. Les deux, ils sont méchants. Kage. Tapez-les. Kage. Mais tapez-les, Shaku. Ils sont love lover, love lover. Quoi? Mais non, mais hein? Mais c'est vous. Mais oui, je te. Bon, un jour on est Shoto Endeavor, un jour on est lover lover. Faut savoir, les mecs, hein. Voilà, putain, GG. C'est ma dernière gap, hein. J'ai plus de gap. J'étais à moins 5 heures. J'ai plus rien. Dommage. J'ai plus rien. Oh, y'en avait 9. Vas-y, envoie vite, j'en ai plus, moi. Voilà. Où ça, tu m'as envoyé? Putain. Je t'en ai envoyé 4. Merde, hop. Oh okay, merde, j'allais arriver les prendre, putain. Eh, hey, voilà, hein. Ah, oui, c'est pas cool. Bah, non, mais ouais, vas-y, Costa, c'est le Kachan, hein. Je jure. J'ai un gros une voix. C'est peut-être un spike. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag Eizawa. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Pegafil. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.